Salut à tous, une vidéo qui sera consacrée, enfin qui sera liée à un article Vieux Geek. Comme vous pouvez le voir, je vais mettre ça en zoom. Ouais, c'est marrant. Ça sera consacré à une extension, enfin une version un peu méconnue. Ça va comme ça. Voilà. Une version pas très connue de. Une extension pas très connue de Quake. Qui s'appelle Abyss of Pandemonium. Qui est sorti en 98, donc un peu après Quake 2. Donc automatiquement, ça n'a pas vraiment aidé à sa popularité. C'est une espèce de Mission Pack 3. Je viens de dire espèce. Donc là, j'avais déjà fait une vidéo, je vous mettrai le lien dans le descriptif pour comment installer Abyss of Pandemonium. Là, je vais essayer de vous montrer à nouveau l'accès au niveau de difficulté le plus complexe. Je vais mettre un peu plus haut. Voilà. Le niveau le plus complexe, à savoir le niveau Nightmare qui est surnommé Hell, Enfer dans Abyss of Pandemonium. Je vais essayer de finir le premier niveau en mode easy sans tricher. Si je meurs trop, je tricherai, je vous montrerai la fin du premier niveau, ne serait-ce que pour l'ennemi qui fait passer le Shambler, vous savez, cette espèce de gros ourson électrique pour un double plaisantin. Et je vous montrerai surtout le monstre, enfin le boss de la fin du premier épisode, qui est sûrement, sûrement, le pire exemple de n'abusez pas des drogues. Voilà. Donc, je lance Quake Spasm SVN avec Abyss of Pandemonium. Vous pouvez le télécharger sur Quake Addicted. Je mettrai tous les liens dans le descriptif. Donc là, je vais mettre un peu plus de son. Donc, parmi les nouveautés, on a la flotte qui tombe. Donc, l'accès au niveau infernal. Hop ça. Je me gourre pas parce qu'il faut que je m'en perds. Oui, c'est là. Donc il faut appuyer là. Voilà. Et là, il faut foncer. Mieux vaut pas y aller. Je vous montrerai pourquoi. Bah, c'est pour ça qu'il mieux vaut. Si on veut jouer au niveau Nightmare, chacun ses plaisirs, il y a un petit truc à connaître. Il y a trois boutons à activer, un à chaque niveau de difficulté. Le niveau Hard, il est planqué derrière le téléporteur. Et après, sur chaque porte, niveau Easy et Normal. Voilà, et de deux. Et 3. Maintenant, si on veut activer au niveau Hell, ce que je ne ferai pas parce que je ne suis pas suicidaire, ça donne envie ou pas. Donc on va rester prudent, on va rester en mode easy. Et comme disent les anglophones, easy does it. On y va doucement. Donc, je vais essayer de pas trop clamser. Petit, 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 petit. Voilà, déjà, c'est fait. Donc là, il y a un passage secret qu'il faut connaître, qui est disponible ici.
Zut, ça c'est le napalm, c'est le lance-napalm. Et un secret. Donc là, on sauvegarde, on n'est jamais trop prudent. Parce qu'il y a notre ami le Find. Oh putain, faut que je me tire avant de me faire éventrer moi. Je vais me faire éventrer. Bon, c'est bon, j'ai perdu que 35 points de vie, ça peut aller. Alors, on sauvegarde. Donc ça c'est bon, j'ai réussi à survivre jusque là. Non mais un Find au premier niveau, en easy. Non merci. Non, tu m'auras pas. Tu m'auras pas. Je dis que tu m'auras pas. Non. Les pillages à viande, non merci. Les sales bêtes. Les enfoirés. C'est bon, oui, t'en as pas marre de balancer tout sur la tronche. Bon, on va faire un petit plein de vie. Et bien sûr, il n'y en a pas. Ah si, il y en a là. Vous voyez que je suis très très fort à ce genre de truc. Ah zut. Eh zut, sale bête. Je me suis fait avoir. Je vais pas me faire avoir. Alors je vous dis pas au niveau infernal. Alors là, non. Il y a un petit. Voilà. Allez, mange-toi d'ailleurs quand on a le palme. C'est bon le napalm, hein. Oh que t'aimes le napalm. Heureusement qu'il y a lance napalm, parce que sinon. Bon, je ne suis mort qu'une fois. Mais pas par un Find, c'est chassé à dégâts pris. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une arme un peu plus puissante? Ouais, merci. Donc là, petit. Sale bête. Et vous allez voir le monstre qui fait passer le chambleur pour un doux plaisantin. J'ai nommé le Juggernaut. Si j'arrive à le battre celui-là, je suis content. Ah oh, bordel, ne prends pas merde. Désolé. Celui-là, il faut savoir courir pour le buter. C'est une bête, elle me plaît à buter. On ne passe pas coincé. Oh punaise, 38%. Bon, mais je suis mort. Fait bobo l'enfoiré. Est-ce qu'il y a de la vie dans le coin? Ah, il n'y en a pas. Je suis mal barré.
Charognes, crèves, charognes. Et maintenant, c'est saleté. Des lents, enfin des ânes forceurs. Non, mais vous voyez, on peut se demander pourquoi le niveau n'est pas très connu. Enfin, l'extension n'est pas très connue. Ah, il me reste, mes amis, les Dark Knights. Et bien sûr, Chambly. Eh, bordel. Et bien sûr, j'essaie de trouver la vie. Parce que 11%, je suis mal barré. Est-ce qu'il y aurait de la vie dans le coin? Oh punaise! Récupérer la vie pour... je me suis fait. Et bien sûr, je n'ai plus de munitions. Non, mais c'est bon, le niveau ne me hait pas. Alors, si j'arrive avec le chambleur avec ça, je suis content. Et je vous rappelle, je suis au niveau easy. Donner des munitions, t'as pas connard? Oh, c'est pas vrai, je l'ai eu. Non, mais vous avez vu le niveau de difficulté, même en easy? Donc là, je vais vous montrer le boss du premier épisode. Car c'est assez marrant. Donc là, par contre, je vais faire map 1 AOP M1 AOP 1 M6. Par contre, pour des raisons de sécurité, désolé. Je me fous des réserves. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi. Il n'y a que 19 ennemis, mais là, j'ai envie de vous montrer le boss de fin de niveau. Bled. Et là, nos amis les Dark Knights. C'est des lances éclairs. Et c'est ça qu'elles sont prêtes à buter. Petit. Ah, c'était une chauve-souris. Si vous pensez avoir tout vu côté boss de fin de niveau dans Quake, détrompez-vous. Vous pensez que Shton et Subnigurat étaient le summum, qu'Armagon était sympa, et que le dragon de l'extension pack 2 était limite de ce que vous pouvez trouver dans l'extrémisme? Détrompez-vous. Allez, Chambly, viens voir papa. Chambly, Chambla. Allez, va te charger la tronche.
Et ça, c'est la bande-son originale que j'avais récupérée à l'époque sur Internet. Je ne sais plus où. Bon, allez. Je vais faire le plein de... Oh, notre ami la bourse. Sale bête. Tiens. Ah oh, ben, ça ne fait rien du tout, les napalmes. Allez. Dodo. Je pensais que le napalm allait faire quelque chose, mais non. Et voici le portail le plus lent qui m'est donné de voir dans un Quake-like. Là, vous pouvez aller jusqu'au café, vous chercher un café, le boire et revenir, et le portail est toujours pas ouvert. Alors là, maintenant, par contre, je vais refaire le plein, parce que vous allez voir la tronche du blood. Je vais même mettre 30 secondes en no target pour que vous puissiez admirer la tronche du blood. C'est du... Faut pas abuser des drogues. Regardez-moi cette chose. Il est résistant en plus de ça. Voilà le blood. Côté boss de fin, je pense qu'on a vu le summum du bizarroïde. Voilà. Donc c'est pour ça que... Voilà. Bon. Voilà, je voulais vous montrer quand même à quoi ressemblait en gros Abyss of Pandemonium. Et surtout vous montrer Blood. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que vous aurez envie de télécharger l'extension. Bon, pour la musique, je ne me rappelle plus où je l'ai récupéré, donc je ne peux pas vous dire. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.